Salut à tous, macho boys and sexy girls, mon nom est Koui Bleu et je suis de retour pour jouer à Mel Arigato. Donc c'est un jeu où ce que tu contrôles un petit bonhomme qui doit délivrer le courrier. Et tu dois le faire, le but de ce jeu c'est de délivrer le plus de courrier possible en moins de temps. C'est juste ça. Donc c'est la première fois que je vais jouer ça, donc allons-y. Bam. Ha, ok, ça se voit qu'on me donne des lettres. Oups, ok, on me donne des lettres. Bon, j'ai 240 secondes pour délivrer le courrier. Bon, selon l'icône en haut à droite, il faut que je vais à 100 mètres freaking loin quand il y a des boîtes à lettres juste à côté. Ouais, ok, c'est bon. Wow! Hey boy, depuis tantôt, Ok, comment on dépose une lettre? X? Ouais, c'est ça, ok. Là, il faut que je retourne à 60 mètres derrière. Ok, donc il y a plusieurs boîtes à lettres partout. Puis il faut juste que... tu trouves la bonne boîte à lettres et tu déposes... Wow, tu déposes ta lettre. C'est aussi simple que ça le jeu. Et tu dois en déposer le plus possible. Mais c'est trop bizarre ce jeu parce que genre... il y a des boîtes à lettres partout. Logiquement, tu vas juste... Oh my god. Il faut que je vais en haut à gauche. Ok. Ouais, logiquement, tu vas juste... déposer... Ah! Ok, d'habitude, tu vas juste déposer les lettres dans les boîtes à lettres qui sont à côté. Tu irais en ordre. Mais ici, ça se voit que ça suit pas la logique. En plus, t'es une petite... Non, retourne à gauche. Ah, shit, je suis coincé. C'est ça, t'es juste une petite fille qui saute partout avec sa bicyclette. Et ouais, tu délivres des lettres. Et... ce qui est bizarre, c'est que... pourquoi la ville est aussi divisée? Et... oh man, oh fuck, j'ai été pénalisé pour vrai. Ok, en tout cas, c'est ça, regardez la ville, comment elle est divisée en sous-sections volantes. Je comprends pas, genre c'est des plateformes volantes. Vous voyez derrière? Ok, ça là, il faut j'ai plus de lettres, il faut que je retourne à la base. Bon, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que donne-moi des lettres. Donne-moi plus vite, tu me fais perdre mon temps. Ok, c'est ça, c'est comme... vous voyez dans le background derrière, la ville est très bien divisée et tout, c'est comme la vie réelle et tout. Mais pourquoi quand je délivre des lettres et tout, c'est comme la ville est divisée. Regardez ça, il y a des plateformes, il y a des boîtes à lettres dans des, il y a des édifices volants et tout. C'est, je comprends pas, c'est trop bizarre ce jeu. Waouh, en plus comme... regardez, je vole partout dans la... je suis comme un super-héros. Je suis un super-héros. Oh, ok, c'est à gauche, c'est ici. Ouais, c'est ça. Non. Ok, il faut que je vais à droite. Ouais, je suis un super-héros. Attends, je suis une petite fille, hein. Ouais, je suis juste une petite fille normale qui roule dans sa bicyclette pour délivrer des lettres. Ah, c'est trop drôle ce jeu. Quand on joue à ce jeu, on pense pas à ces choses directement, comme tout de suite et tout, mais... ah, laisse-moi descendre en bas, il faut que je descende en bas, voilà. Ça, on pense pas à ces choses dès le début et tout, mais quand tu y réfléchis bien, c'est un peu bizarre. Il y a des éléments bizarres dans ce jeu. Ah, il faut que je vienne à droite, il faut que je vienne en haut. Merde. Allez. Bon, il faut que je monte en haut. C'est ça, ce que je veux dire, c'est que... ouais, tu penses pas à ces éléments bizarres quand tu joues à un jeu, mais écoute, ici c'est la différence, l'écart entre... fuck! Ok, non. Ouais, j'ai été pénalisé. Merde! Ouais, ce que je veux dire, c'est que l'écart entre la réalité et la fiction est super grande. Et vraiment, vraiment, vraiment grande. Bon, ok, attends, je vais voir qu'est-ce qui arrive si je mets une lettre ici, dans cette boîte à lettres. Attendez. Ouais, pénalisé, je suis pénalisé. Je dois passer là un jour ou l'autre, mais non, je suis pénalisé parce que c'est pas là que je devais aller en premier. Faut que je vais à droite, ensuite à gauche, ensuite en haut, en bas, à la place d'aller à gauche et puis déposer toutes les lettres à la fois, vous voyez? Non, je suis pénalisé si je fais pas les choses en ordre. Et je n'ai plus de temps. Donc, j'ai fait 580 $. Waouh! Unbelievable! Oh, quoi? Tu dis que je suis so-so, en d'autres mots, je suis de la merde. Yo, je...
Il ose dire que je suis de la merde quand je suis en train de me voler partout à gauche, à droite, jeter des lettres par-ci, par-là. Ils sont tellement chiens. Pourquoi ils sont méchants comme ça? Ils disent que je suis poche. Yo, essaie de faire cette job, toi, tu verras que c'est pas aussi simple. En tout cas, mais quand ils disent que j'ai 580 $, ben, il y a 5, 8, 0. Est-ce que c'est 5,80 $ ou 580 $? Parce que si c'est 5,80 $, je suis payé pour faire tous ces allers-retours par-ci, par-là. Non, no way. On paye pas assez cher pour voler en l'air et puis jeter des papiers de journaux dans les boîtes à lettres et tout. Pff, non, no way. Je ferais jamais cette job. Je préfère travailler au McDo, moi, là. En tout cas, ça va être tout pour ce jeu. Et puis, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Ciao!